Faire face aujourd'hui au problème de digitalisation que connaît actuellement le ministère de la fonction publique, une réelle préoccupation pour le chef de ce département, Madeleine Bert, qui est donc allé ce matin rencontrer le ministre d'État en charge de la communication et de l'économie numérique, Edgar Anissé Mbumbu Miyako. Patrick Simangoy, Thierry Ibouanga pour plus de précisions. Le ministre d'État à la communication et à l'économie numérique et sa déléguée Gisèle Akougui ont répondu avec promptitude à la sollicitation de leur collègue membre du gouvernement, Madeleine Bert, ministre de l'Emploi, de la fonction publique, du travail, de la formation professionnelle, sur plusieurs projets qui revêtent un caractère urgent et dont les solutions résident au ministère de l'économie numérique. Il est question d'amener la fibre optique et la connexion Internet dans les 3 centres de formation professionnelle multisectorielle de Ngok, dans l'Estuaire, Mvengé, dans le Haut-Ougoué, Ndjégué, dans le Ougoué maritime, dont la performance requiert ce type d'infrastructure de rang mondial. Se voulant pragmatique, comme à son habitude, face à ces questions prioritaires, le ministre d'État Edgar Anissé Mbumbu Miyako a donné des réponses sûres qu'il fallait à Madame la ministre de la fonction publique, dont l'étendue des préoccupations touche également la couverture Wi-Fi et la modernisation du site Internet du ministère de la fonction publique. Madeleine Bert veut ici sortir son département de la gestion empirique pour une gestion digitale des ressources humaines de l'État. L'objectif recherché est la meilleure maîtrise des recrutements, une gestion moderne de la fiche bleue et la régularisation des pré-salaires, la mobilité de l'agent, le pointage biométrique, l'assiduité au poste, la maîtrise de la masse salariale et du fonctionnement du futur concours d'entrée à la fonction publique. Toute chose qui permettra de restaurer l'autorité de l'État. Autant de questions qui intègrent le projet gouvernemental Gabon Digital, un chantier suivi de près par le patron de la communication et de l'économie numérique, Edgar Anissé Mbumbu Miyako. Cette rencontre aux allures de séance de travail à laquelle on prépare les proches collaborateurs des membres du gouvernement a tenu toutes ses promesses.